Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Les amis, on se retrouve pour une vidéo sur Star Citizen. Du coup, avant tout, les amis, bien entendu, pendant qu'on y est, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ça vous coûte vraiment rien. Et moi, ça m'aide énormément dans le travail que je produis sur cette chaîne YouTube. Un grand merci en tout cas à ceux qui le feront. Et par la même occasion que pendant que je suis dans la promo, n'oubliez pas que dans la description, il y a deux Discord, les amis. Le Discord communautaire multigaming où on cherche à réunir un maximum de personnes pour créer une communauté multigaming. Donc si ça intéresse de rejoindre une petite communauté multigaming en création, bah voilà, le Discord il est dans la description. C'est le Discord communautaire de NH86. Donc un grand merci à tous ceux qui le rejoindront. Et du coup, on est en train de créer, enfin on est en train de créer, on crée du coup, on a créé la Digitime Corporation. Donc pour tous ceux que ça intéresse, si vous en avez marre de jouer solo, que vous soyez nouveau, vétéran, solo ou en groupe dans le jeu, voilà, la Digitime recrute, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Donc forcément, on demande des gens sérieux, pas des gens qui se barrent au bout d'une journée, des gens qui sont là dans le temps en fait. Voilà, on demande aux personnes, aux membres de notre corporation en tout cas, d'être présents assez souvent en termes de. Pas de temps sur le Discord, mais au moins d'être présent, de venir de temps en temps. Et il n'y a aucune obligation, mais nous on le demande forcément parce que on veut que notre corporation reste un minimum active dans le verse. Donc un grand merci à tout ça. En tout cas, pour ceux qui ont écouté ce petit message. Par l'occasion, tous les nouveaux comptes RSI, les amis, vous avez mon code de parrainage dans la description. D'accord, tout en bas de la description. Sachez que c'est très important de le mettre. Pour ceux qui le veulent bien, en tout cas, ça vous fait gagner 5000 AUEC en plus à chaque mise à jour, les amis. Donc je compte sur vous pour le mettre. Et ça, croyez-moi que vous serez autant avantagé pour moi en l'ayant. Voilà, je suis pour vous informer. Donc les amis, on se retrouve pour une vidéo dans Star Citizen, du coup. Bah, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est un peu abusé. Excusez-moi du coup si mon nez est pris, les amis, je suis malade. Donc désolé, une petite clip des familles qui est venue me dire bonjour, je pense. Du coup, les amis, on va faire du minage en rock. Donc on va aller sur une planète assez particulière, d'accord? Comme vous savez, il y a Ariane, Arial et Aberdeen où on récupère pas mal de stuff, d'accord? Pas mal de ressources, de minéraux. Donc forcément, on va pas y aller comme on est là, mais je voulais juste vous montrer que vous pouvez sortir le rock, en fait, acheté à leur ville pour 200 000, 203 000, un truc dans ce genre. Vous pouvez le sortir dans les hangars comme ça, d'accord? Donc, pas là, hein, mais là, là. Voilà, ça, vous sortez là-dedans. Donc forcément, ça va rentrer votre vaisseau. Donc là, dès que vous sortez le rock, vous le mettez dans les petits trucs comme ça, ou dans le hangar, ou même dans les carrés comme ça. Vous ressortez votre vaisseau et vous rentrez votre rock, comme je vais faire là, dans le vaisseau. À savoir que je conseille à tout le monde d'utiliser d'avoir une caisse avant de rentrer à l'intérieur. Donc moi j'ai mis une caisse de 8 SI parce que je suis dans la vue, encore une fois, désolé, mais voilà. Bon, normalement, je vais dû rentrer en marche arrière. Mais bon, c'est pas très grave. Hop. C'est bon. Donc, hop, on va le mettre là. Donc, nous, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va se retrouver directement dans une station où, où j'achèterai l'armure adéquate pour faire du minage comme ça. Donc là, pour cette vidéo, on va être deux. À faire normalement devait être 3, mais il y a une personne qui a décommandé, forcément sa petite famille qui était présente, donc il n'a pas pu être là. Mais du coup, on sera deux pour cette vidéo. Et du coup, les amis, on se retrouve tout de suite sur la station où on achètera notre armure. Donc, les amis, donc nous voici à HURL2. J'ai pas envie de trop de me tromper. Voilà, donc. HURL2, Fateful Dream Station. Donc, vous allez à la raffinerie, du coup. Vous prenez les élévateurs, donc c'est là où vous les prenez pour aller à l'entrepôt, à la
à la raffinerie, à la galerie, des trucs dans le genre. Nous, on va à la raffinerie. Tout simplement, c'est vraiment un mec qui s'occupe de la fonte. Mais du coup, ouais, vous allez à la raffinerie. Donc, c'est pas compliqué. Dans cette zone. Alors déjà, ce qu'il vous faudra de base, pour être sûr, c'est multitool, truc pour vous soigner, même pourquoi pas le pyro et un sac, d'accord? Après là, moi et de l'eau, surtout, très important. Moi, j'ai pris un peu plus, mais du coup, là, on va. Notre stop va changer. Donc, c'est pas compliqué. Quand vous allez ici, vous allez normalement dans casque. Donc, vous prenez celui-ci, d'accord? Donc, c'est le casque pour miner, le Pembroker. Donc, après, vous allez dans combinaison et vous prenez la combinaison Pembroker. Pembroker. Pourquoi? Parce que elles sont tout simplement c'est l'armure en fait qui permet de résister à la chaleur. Alors, je voulais prendre aussi, on sait jamais parce que j'ai pas encore fait le test. Bon, on va vite le voir, d'accord les amis? Je vais prendre le sac qui normalement a une grosse capacité. Mais si je peux garder mon sac à moi de base, je le ferai. Tac 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 tac. On va reprendre de la boisson. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis avec quelqu'un. Donc je pense toujours aux autres. Toujours à prendre une petite vingtaine, ça fait plaisir. Ça mange pas de pain. Et du coup, on se retrouve tout de suite dans le hangar. Quand je vais équiper mon armure. À moins que non, en vrai, je peux l'équiper ici. Donc, c'est vrai que maintenant il y en a un peu partout. Des banques à items, enfin des banques à stuff surtout. Hop. 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 Et hop. Donc. Ah ouais, ça retire même la combi. Donc là, vous mettez ça. Est-ce que. Attendez. C'est moi ce qui m'intéresse, c'est. Bah oui. Parfait, ça. Rien de mieux. Par contre. Voilà, s'il te plaît. Personnel. Faut s'afficher, frérot. Non, parce que c'est pas. C'est pas rigolo drôle, quoi. Après, le problème, c'est que. Ouais, il est déjà à 78%. En vrai. Je vais mettre le gros, gros, gros sac. Hop. Du coup, on va mettre ça là. On va mettre ça là. Attends, parce que là, il y a. Ok, il y a des trucs. Voilà. Je suis sûr combien il y en a. Ok, il y a largement assez. Donc, on va se rééquiper, du coup. 55, c'est parfait. J'ai peur que. Bah, si, ça loge. Bah, si, voilà. On est pas bien. Alors, du coup, je vais mettre ça là-bas, le pistolet. J'ai même pas envie de le prendre, mais. En vrai, j'ai pas de munitions, mais ça fait classe quand même, donc on le prend. Ça, par contre, j'ai que deux trucs de soigneur. Ok. Le multi-tool. Je vais le mettre là parce que de l'autre côté il y a le. Ah ouais, mais j'ai encore plein de trucs moi à récupérer là. J'ai par exemple tout ça. Ok. Bah écoutez, ça loge. Bon, tant mieux. J'ai pris de quoi nous soigner du coup. Hein. Si là il n'y a pas de. Si on se sent pas et tout ça, il y a une couille dans le pâté. Ça me ferait un peu chier. Plus toute la flotte. Que j'ai récupéré, plus ça, c'est bon. Ça va le faire. Ça va le faire, les potes. Pourquoi, par contre, il est encore. Ok, bon, tant pis. Bah écoutez, les amis, on se retrouve directement sur Arial et Aberdeen. N'oubliez pas de prendre les caisses de SCU dans les entrepôts des stations. Hein, parce que c'est très important pour que vous puissiez vider votre roc. À tout de suite, les amis. Et bien re les amis, du coup on se retrouve sur Aberdeen. Donc Aberdeen, c'est là où il faut du coup utiliser les. Donc il y a deux planètes, pardon. Arial et Aberdeen, où on utilise la combinaison qu'on a actuellement. Pourquoi? Parce que cette combinaison est faite pour les planètes chaudes, d'accord? Donc entre autres, c'est-à-dire Arial et Aberdeen. Alors. Faire attention parce que le problème de Aberdeen, c'est qu'il y a énormément de tempêtes de sable,
comme on peut le voir actuellement, c'est la merde. Donc une fois que vous êtes comme ça, ici quasiment au sol, vous faites un scan. Hop, là par exemple, je vois qu'à 3 km 8, il y a quelque chose. Donc forcément, je l'ai pas encore dit, mais il y a deux sortes de cailloux. Les cailloux qui sont minables en vaisseau, donc en prospectant. Et les cailloux comme ceux-là qui vont apparaître. Donc, bah non. Voilà, du coup, ça, c'est par exemple, c'est parfait. C'est les cailloux qui sont minables en prospectant. Donc des gros cailloux, comme on peut le voir. Donc du coup, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a. Certainement là-bas, j'espère. Je vais essayer de trouver ça avec vous. Au moins pour que vous puissiez voir. Vous puissiez voir. Après, là où il faut faire gaffe, c'est au. À votre hydrogène, les amis. Parce que du coup, vous êtes en vaisseau. L'hydrogène, c'est. C'est ce qui va partir le plus rapidement, quoi. Enfin, c'est. Donc là, est-ce que... Là, c'est parfait. Pourquoi j'ai dit que c'est parfait? Dès le départ, parce que tous les cailloux, regardez, sont réunis au même endroit. Et du coup, c'est ça qu'il faut pour miner. Bon. Enfin, c'est ces cailloux-là. Donc, je sors le rock et je suis à vous dans 2 minutes. Donc, les amis, donc pour démarrer déjà votre vaisseau, je voulais pas montrer, mais c'est U et I, d'accord. Et du coup, pour commencer à miner, point d'interrogation, je vous refais la totalité parce qu'apparemment, il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre et ils ne regardent pas les vidéos précédentes alors que je dis que c'est une suite de vidéos. Mais c'est pas grave, ça me dérange vraiment pas de vous le redire, ça dépend les moments, comment on s'est dit en tout cas. Mais donc là, vous faites point d'interrogation, ça vous sort le bras. Vous laissez un petit peu, donc faire les analyses, voilà, à droite à gauche, on voit en haut à droite là, il y a les analyses qui sont notées. Voilà, ça note. Ça note, ça note. Donc là, adanite, on a full adanite. Ça va être que de l'adanite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à miner. Donc là, on fait clic gauche. Donc comme on peut voir en haut là, on est en mode facturation. Et là, on appuie sur Alt et avec la molette, on gère la puissance du canon. Donc là, on voit la barre qui avance. Donc, normalement, l'optimal, je suis un peu trop proche là. Voilà, on laisse monter le. On laisse monter le. La chaleur du minerai. Donc, attention, moi je. Je vais un peu comme un bourrin. Pas faire tout. Forcément comme moi. Un exemple pour ça en tout cas. Là, donc là je vais vous montrer une fois comme ça, après je mets un petit accéléré comme ça sera plus rapide. Donc là hop, ça pète, donc tous les minerais sont là. Donc là vous faites clic droit et là hop. Voilà, vous avez tout ramassé, vous voyez que vous êtes à 0,50 d'adanite dans votre inventaire. Donc voilà les amis, allez, petit accéléré.
peut, les amis, avoir, après avoir fait un gisement complet de matériaux, on se retrouve avec 270 pierres. Donc, il y a un truc qui est chiant. Alors, moi, je ne connais pas la strate exacte pour, en tout cas, les mettre correctement. Moi, je vais les prendre comme ça. Je les vide à la main, du coup, je vais être obligé. Parce que je n'arrive pas, enfin, je ne sais pas comment on fait pour le faire sans ça, en fait. Voilà, moi, je ne connais pas enfin, je sais même pas s'il y a une strat ou quoi. Hein, s'il y en a une dans le chat, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être qu'il y en a qui, je sais, qui aiment bien vraiment faire ça. Donc, s'ils ont une strat, les amis, n'hésitez pas à la partager dans le chat. Bon, après, c'est pas non plus très long, hein, vous voyez, 100 par 100. C'est pas non plus très long, hein, 3 tours, c'est réglé. Hein. Tac, hop, hop. Et voilà. Et du coup, ce qu'on va faire pour le prochain, ce sera de finir le reste. Du coup, les amis, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais farmer encore un petit peu de mon côté avec mon collègue. Ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve à la fin pour vendre toutes ces belles petites pierres. À tout de suite, les amis. Donc, re les amis, waouh, j'ai eu un petit prise en reprenant le règne, mais désolé. Mais du coup, on se retrouve après une bonne heure et demie de minage, pas du tout intensif, parce qu'on était en mode chill, parce qu'on était deux tranquillou et en même temps, qui apprenait à miner. Donc, on se retrouve du coup à la mine pour revendre nos minerais. Donc, je tiens à peu près. Mais on va se faire, hein, je connais à peu près les prix et les doses, donc voilà, là on va faire 137 000. Presque 137 000, parce qu'apparemment il n'a pas trop envie. D'accord, on va s'agirer le vendre ailleurs. Et d'accord, super, donc c'est toujours aussi bien, hein. Ça fait plaisir. Attends. Je vais essayer de faire ça petit par petit, demande invalide. Je vais me faire foutre autrement. Ah. Voilà. Tac, on va essayer de le mettre là. Toujours pas. Très bien. Très très bien. Ça fait plaisir. Attends. Échec de demande. Invalide en attente de livraison manuelle au monte-charge. Il y a une couille dans l'équation. Ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais essayer de le charger dans le montant et je reviens vers vous dès que j'ai plus de nouvelles. Donc, les amis, du coup, voilà, au cas où, comme ça, vous le savez, je viens de trouver vendre ça là. Je sais pas ce que c'est exactement, c'est les fruits, je crois. Bah, c'est tous les fruits, les trucs dans le genre que vous récoltez. Du coup, ça se vend à la mine, au moins vous serez ça. Juste après, je ne sais pas quel intérêt ça a exactement. Et je vais pas vous mentir que c'est pas mon objectif de gagner 2000, 2000 par 2000. Ce que j'aimerais, c'est trouver la Dolivine. Et le problème, c'est que je l'ai même plus en fait. Et je reviens parce que je pense que en fait ça rentre pas directement dans. Faut que je les rentre dans le l'inventaire de la ville en fait. Faut que je les vide manuellement. Ça va être chiant, mais faut que je fasse ça. Donc les amis, je vous reprends rapidement pour vous montrer comment mettre les pierres tout simplement dans l'inventaire local. Donc moi je fonctionne comme ça. Si vous avez une autre idée, je prends. Donc, à savoir, dans le sac, comme ça, vous pouvez mettre maximum 120 pierres. Et du coup, vous les transférez comme ceci. Et normalement, on va les voir après. Mais ils sont, après, du coup, vendables là où on a vendu les fruits exactement pareil, de la même façon. Du coup, on se retrouve directement à la vente. Eh bien, re les amis, du coup, petit bémol. Que ce soit ici ou à la mine, je n'ai pas réussi à vendre, donc ça me fait un peu chier, je vais pas vous le mentir, voilà,
J'utilise les termes. Sur Horizon, j'arrive à vendre, mais ici, j'ai trop de mal à arriver à vendre. Du coup, si vous voulez mon point de vue, il faut laisser les minerais dans la caisse et dans la caisse, on les laisse dans le vaisseau. Et il faut venir vendre là. Mais du coup, là, ce serait compliqué pour moi de refaire tout le truc en vidéo. Enfin, moi, là, j'ai plus de temps. Malheureusement, on arrive à court de temps pour cette vidéo. Du coup, je ne peux pas le faire maintenant. Mais c'est comme ça que j'avais fait la dernière fois et j'ai réussi à le faire. Donc voilà, je vous le redis comme ça pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Tiens, merci. Et puis bah, au moins, vous serez la solution. C'est tout simplement de laisser la caisse dans le vaisseau avec les pierres dans la caisse. Et du coup, vous venez vendre ici et vous la mettez dans le fait rélévateur après que vous ayez vendu. C'est la seule solution qui reste. C'est vrai que c'est pas instinctif pour la 324. Le minage, en tout cas, est pareil. Sauf la revente qui est vraiment. J'ai envie de dire, me fait chier de plus en plus, voilà, à chaque fois. Enfin, c'est surtout pour trouver la solution, parce qu'une fois qu'on l'a, ça va. Mais pour trouver la solution, c'est une galère parmi tant d'autres. Donc, au pire des cas, les amis, si je retrouve la solution dans les jours ou les heures qui suivent cette vidéo, la sortie de cette vidéo, il y aura un short qui sera posté pour expliquer comment, du coup, vendre les pierres. Parce que je viens de vous dire une technique, mais. C'est celle que j'avais fait en 3.23, donc à voir si ça fonctionne toujours. Tout à l'heure, on nous avait proposé toujours de vendre les trucs, donc normalement ça devrait fonctionner. Donc en tout cas, voilà, on sait qu'on a touché entre 150 et 200 000 AUEC, voire peut-être un petit peu plus parce que j'avais de la Dolvin qui était pas prise en compte. Donc normalement, voilà, on doit toucher, allez, on va dire 300 000 au bas mot pour être gentil, en 1 h 30, 2 h. Ça me paraît convenable, correct. Juste la revente casse-couille, mais bon, c'est comme ça. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Encore désolé d'avoir parlé avec le nez parce que bah, je suis malade. Je suis désolé pour ça, navré. Mais du coup, j'espère que vous aurez quand même kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit like, on partage la chaîne YouTube au maximum, les amis. Un grand merci à tous ceux qui le feront et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, tout le monde.